Elle ne pousse pas dans les bois, elle pousse dans les serres. Elle a cette forme originale d'huître. Je vais vous présenter la pleurote. La pleurote peut faire partie de nombreuses garnitures avec de la viande. J'ai décidé, dans cette recette, de la faire avec de la truite et une sauce au vin rouge. Voici les ingrédients. Dans un premier temps, je vais commencer à cuire des carottes à l'eau bouillante. Ces carottes, je vais en faire une purée qui vont m'aider à faire la sauce qui va suivre. Eau bouillante salée et je cuis les carottes. Deuxième opération, je vais préparer mes pleurotes pour avoir les plus belles comme celle-ci, pour pouvoir les sauter un peu plus tard avec les échalotes. J'ai utilisé de la truite pour cette recette, mais on pourrait utiliser en soi n'importe quel morceau de poisson blanc. Bien sûr, le saumon ferait aussi très très bien. Je vais dans un premier temps retirer la peau. Dû à son épaisseur, je vais la trancher en deux. Et voilà. Mes carottes sont en train de terminer de cuire. Et en attendant qu'elle termine de cuire, je vais faire ma réduction de vin rouge avec quelques échalotes. Mes carottes sont cuites, je les récupère pour en faire une purée à l'aide du pied mélangeur. La réduction de vin rouge est tombée de moitié, je rajoute un peu de purée de carottes. Cette purée de carottes, finalement, a pour but de lier la sauce. Je diminue le feu et je rajoute une noix d'œuf. Je poivre et sel. Et je conserve au chaud. La cuisson des pleurotes et du saumon maintenant. Un peu d'huile dans mes deux casseroles. Un petit peu de beurre. Un peu d'échalote que je vais laisser fondre. Une fois les échalotes fondues, je pose mes pleurotes dedans. Ma poêle est très chaude, je peux cuire ma truite. Sel, poivre, juste à point, on est prêt pour dresser. Ma sauce rouge, ma truite.